Zineb. Zineb. Où? Arrête 30 secondes, chérie, s'il te plaît. Arrête 30 secondes, chérie, s'il te plaît. Tu vas faire ta chambre, donc tu arrêtes ton téléphone. D'accord? Non. Zineb, s'il te plaît. Va faire ta chambre, tu arrêtes ton téléphone 5 minutes et tu fais ta chambre. Ok, Ok? attends, juste avant de regarder un truc. Zineb, allez, chérie. 5 minutes. Non, maintenant. 5 minutes. Zineb. Quoi? Allez, va faire ta chambre. TikTok trop. Dépêche-toi. Merci. A few moments later. Bon, je vais aller voir si mademoiselle a fait sa chambre. Non mais Zineb. Non mais Zineb. Zineb, je t'ai demandé de faire ta chambre. Non mais c'est quoi ça? Je t'ai dit de faire ta chambre, je... Mais je l'ai faite. Ça c'est faire une chambre. Ton lit n'est pas fait, ton cartable, regarde tes... Ça c'est pour après. C'est pour après quoi, Zineb? Mais en plus, non mais je rêve. La télé, regardez, non mais franchement. La télé est allumée, la tablette, le téléphone. Non mais c'est... Non, 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 ça va pas du tout, Zineb. J'écoute. En plus, tu es... Non mais allez, tu me donnes ça. Allez, déjà je te prends ta tablette. Non! Il n'y a pas de tablette. Allez, hop, plus de tablette. Zineb, tu me donnes ton téléphone, s'il te plaît. On arrête la télé. Allez, on arrête. Elles sont les télécommandes. Zineb, donne-moi ton téléphone. Allez, toi, tu sais ce qu'on va faire? Non! Zineb, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, je te propose un super challenge. Un 24 heures sans écran. Non. Zineb, ça va plus je être un... Je décline. Tu déclines? Je décline ton offre. Ok, alors c'est une punition. Non! Donne-moi ce téléphone. Non! Donne-moi ce téléphone. Tout de suite. Allez, hop, plus de téléphone. Ah, il y a le casque qui le retient. Non, non, t'inquiète pas, le casque, il va rien retenir du tout. Je te confisque tout ça. Non! Je te confisque tout ça. Donne la tablette. Donne la tablette. Non, c'est pas possible. Elle me rend dingue, cette fille. Allez, donne. Non. Allez, Zineb. Allez, non. Donne. Voilà. Elles sont où les télécommandes? Nulle part. Zineb. Allez, arrête de faire ton bébé. Non, mais j'aime bien ça. Laisse-moi regarder. Zineb. Voilà. Il n'y a plus de tout ça. Allez, maintenant, tu ranges ta chambre. Non. Je reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes, ta chambre, elle est faite. Hein. Il est 11h11, je vais faire un vœu. Allez, pour... Zineb, je reviens, tu fais ta chambre. 5 minutes later. Bon, je vais retourner voir si elle a fait sa chambre, mademoiselle. Ah, au moins, voilà. Tu vois, je ne te demandais pas grand-chose. Voilà, oui. C'est rangé, le lit est fait. Mais qu'est-ce que j'ai vu là, Zineb? Qu'est-ce que je t'avais dit tout à l'heure? Hein? Qu'est-ce que tu m'as dit de faire ma chambre, j'ai fait ma chambre. T'as rien dit d'autre? Ok. T'es sûre que t'as pas oublié quelque chose? Bah non, tu m'as dit de ranger ma chambre. D'accord. Pourquoi quand je suis rentrée, t'as caché quelque chose derrière ton dos? Non. C'est quoi? Rien. Il me semble avoir reconnu ça, Zineb. Donne ça. La déesse. Zineb, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit, Zineb? Mais tu m'as dit de ranger ma chambre. Oui, et je t'ai dit. Pas d'écran. Mais qu'est-ce que attends, je te dis? Non, mais là, ça, c'est pas un écran. Je joue, maman. D'accord. Alors, attends. Il y a une chose que t'as pas compris. Un écran. J'ai tout compris. Ça, c'est aussi un écran, chérie. D'accord. Il y en a même deux là, d'écran. D'accord. Donc, quand je dis pas de téléphone, pas de télé et pas de tablette, c'est aussi pas de DS. Ok. Donc, hop, confisqué. Allez. Merci, mademoiselle. J'avais discuté avec des copines. Eh ben. Hein? Punition, mademoiselle, tu n'avais qu'à écouter la comme ça, la prochaine fois, tu feras ce que je te demande, dès que je te le demande, ok? Donc là, tu fais ce que tu veux. T'as pas des devoirs? Non. T'as pas des devoirs pour demain? Eh ben voilà, déjà, tu vas faire tes devoirs, ok? Après, t'as de la lecture, t'as plein de jouets, t'as plein de choses à faire, ma chérie, ok? Je ne veux pas les faire. À tout à l'heure. Ah, c'est bien, ma chérie, tu fais tes devoirs, bravo, mon cœur. Mais, c'est quoi ce que j'entends, là? C'est ça? C'est de la musique? Non. Mais c'est quoi ça, Zineb? Zineb, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, chérie? C'est un appareil photo, c'est pas un écran. Non, mais tu me prends pour une idiote en plus. Non. Non, mais Zineb, non, mais ça, c'est pas un écran, ça. Bah non, ça... tu vois rien. C'est j'écoute. Oui, parce que là, t'as mis la musique. Non, mais faut... éteins-moi ça. Non, mais vous êtes grave. Hein. Tu peux pas te passer d'écran pendant 24 heures. Éteins ça, s'il te plaît. Il veut même pas s'éteindre. Oui, genre, oui, oui, bien sûr. Et voilà, fin de par enchantement. J'ai dit pas d'écran, Zineb. Non, mais t'as été recherché. Mais t'as été recherché un truc de bébé. Mais c'est grave, ça. Regarde. Qui dit zoom? Qui dit zoom? VTech. C'est quand
quand t'étais bébé. Non, mais 24 heures sans écran, chérie, c'est pas dur, mon cœur. Allez, finis tes devoirs. Mais non, allez, tu finis tes devoirs, mon cœur. Bon, là, je suis en train de faire à manger. Je vais aller voir si mademoiselle a fini ses devoirs. Alors. Mais qu'est-ce que tu m'as fait au canapé, toi, Choupi? Bah, elle est où? Zineb? Bon, déjà, elle n'a pas pris son téléphone, sa DS, sa tablette. Ok, tout est là. Le téléphone de son frère. Zineb! Bah, elle n'est pas dans sa chambre. Non. Bah, elle est où? Zineb, tu es où, là, chérie? Dans la salle de bain, je pense pas. Non, elle n'est pas là. T'es là? Non, pas dans les toilettes. Bah, Zineb! Où est-ce qu'elle est partie se planquer, elle, encore? Bah, elle n'est pas dans la chambre de ses frères. Bah, elle est où? Elle n'est pas dans ma chambre, elle n'a pas le droit d'y aller. Mais, c'est pas vrai. Non, mais, Zineb, depuis tout à l'heure, je te cherche. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Et c'est quoi, ça, sur le mur? C'est un mur. Je fais ça, moi, je regarde un mur. Tu regardes un mur. Et il y a quoi sur le mur? Zineb, ne joue pas sur les mots. Ça reste un écran. C'est pas un écran sur le mur. Non, mais c'est pas vrai, mais Zineb. Bon, alors, en fait, quand je précise, il faut que je dise tout, quoi. Oui. D'accord? Donc, quand je dis pas d'écran, c'est-à-dire pas de rétroprojet. Zineb, pas de rétroprojecteur. Ça reste un écran, chérie. Non, certes, sur le mur. Certes, c'est pas un écran sur un téléphone. Voilà, tu viens de me dire. Oui, non, c'est pas un écran de téléphone ou de tablette ou de télé. C'est de... pas un écran. C'est un écran, donc tu m'éteins ça tout de suite. Dépêche-toi. Allez. Est-ce que tu as fini, Zineb, est-ce que tu as fini tes devoirs? Oui. D'accord, donc tu vas faire autre chose, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Allez, va jouer dans ta chambre. Dépêche-toi. Non. Allez, dans ta chambre. Zou. Et je vais venir voir ce que tu fais dans ta chambre après. Allez, dépêche-toi. J'ai faim en plus. Oui, bah, je suis en train de faire à manger. Alors allez, quoi? On va manger des pâtes. Bruit! Mais qu'est-ce qu'elle a, hein? Mais elle va pas me laisser faire à manger. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui. Mais c'est quoi ce bordel encore dans ces... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce qu'il y a, ma choupie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Mais c'est rien. Pourquoi tu tapes et tu cries comme ça dans toute la maison? Je joue. Tu joues? Oui, tu joues à quoi? Avec mon Playmobil. Pardon? Tes Playmobil, ils sont tous ici, là. Je les vois tous là. Regarde, la case, elles sont même pas ouvertes. Sors de là, Zineb. Non. Là, je te jure que je vais m'énerver avec toi. Sors de là. Ça. Sors ce que tu avais là-bas. Non, oh, je te... Zineb, je sais que quand tu vas là-bas, c'est pas pour rien. Sors ce que tu avais là-bas, dépêche-toi. Sors. Surtout qu'en plus, quand tu t'énerves... Gros moustique. Oh non, mais c'est pas vrai, mais Zineb, s'il te plaît, chérie. Allez, mon cœur, arrête avec ça. Allez, donne à maman. Donne. Mais en plus, ça c'est pas un truc que tu dois revendre. Regarde, tu vas le casser, tu dois le vendre dans le vide-grenier, chérie. Mais t'es vraiment accro. Tu sais qu'en fait, les écrans, c'est comme une drogue. Tu le sais, ça. La preuve, regarde. Tu le sais, la drogue, c'est les écrans. Zineb, non, mais ce que je veux dire par là... Bon, t'es content, je vais faire le tri pour le vide-grenier. Zineb, je te parle. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est comme une drogue. Tu ne peux pas t'en passer. Donc, ça veut dire que tu es une droguée d'écran. Ok? Bon, laisse-moi faire à manger maintenant, s'il te plaît. Attends, maintenant, moi, je vais faire. Quoi? C'est ça que tu... La choupie, super. C'est ça que tu vas vendre au vide-grenier, peut-être. Tu vas vendre ton chat. Non, mais n'importe quoi. Mais oui, là, je l'entraîne à rester dans un carton. Bon, écoute, dès l'instant que tu t'occupes comme tu veux, sans écran, moi, ça me dérange pas. Non, vas-y. Vas-y. À tout à l'heure, je vais faire à manger. Je suis là. Tu fais quoi, Zineb, encore? Non, on n'allume pas la télé, Zineb. Ok? Donc, comme te l'a dit ta soeur, d'ailleurs, elle. Mais si c'est l'habit qui l'allume. Non, pas d'écran. D'ailleurs, elle te l'a très bien expliqué, d'ailleurs, ta soeur. Hein? C'est un challenge punition, n'est-ce pas, mademoiselle? Hein?
C'est une punition, mais c'est en même temps un challenge pour elle, tu vois. Mmh. On va voir si elle y arrive, n'est-ce pas, chérie? Donc, pas d'écran. Ça me donne le coup de moi, même si c'est tes frères. C'est compris, Zineb? Ok? Non. Voilà. Bon appétit. Merci. Ah, coucou, ma chérie. Coucou. Mais là, c'est bientôt l'heure d'aller au lit, mon cœur. Hein. Là, c'est le soir. Tu fais quoi, là, chérie? Là, je regarde les trucs que je veux plus pour les vendre dans le vide-grenier. D'accord, donc tu prépares encore ton vide-grenier, quoi. Mmh, ok. Oui. D'accord, chérie. Dis donc, Zineb. Quoi? Qu'est-ce que je vois encore sur ton lit? Pourquoi? Ça, c'est, je te l'avais confisqué. C'était dans le salon. Pourquoi c'est ici? Je ne sais pas. Zineb? Regardez-le. Juste pour regarder l'heure, tu te moques de moi? Oui. Oh là 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 là, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, alors, t'as préparé quoi pour le vide-grenier, chérie? Il y a plein de vêtements et la sélection des jouets. Ah oui, les vêtements, oui. Mais choupi, mais elle arrête pas de m'embêter. Dès que je suis pieds nus, regardez-moi ça. Non, ok. Donc là, t'as mis quoi dedans? Tu vois, tu t'es bien occupée aujourd'hui sans les écrans, chérie. Tu vois, 24 heures sans écran, c'est bien, mon cœur. Hmm, c'est bien. Bravo, chérie. Ça, tu vas le vendre aussi, ça? Non. Ah, d'accord, ok. Ok, donc Zineb. Chérie, oui. Je te laisse finir de faire et après tu te mets en pyjama et c'est l'heure d'aller au lit, louloute. Hein? Ok? Non. Allez, à tout à l'heure. Devant la télé. Non, pas devant la télé, Zineb. Pas de écran. Pas d'écran, donc pas de télé. Ah bah voilà, bah comme ça va t'occuper encore plus longtemps. Allez, je te laisse faire et après je reviens pour te dire bonne nuit, ma chérie. Ok. Bon. Non mais je crois... Zineb, je t'avais dit de te mettre en pyjama pour aller au lit. Tu fais quoi, là? Mais vous faites quoi? Mais, Nabil, mais qu'est-ce que tu fais, là? J'ai dit d'aller au lit. Coucou. Non, mais attends. Non, mais attends. Ah, j'ai cru que c'était la déesse de ta sœur. Mais toi aussi, tu fais la déesse. Par contre, c'est le téléphone. C'est le téléphone de ta sœur, ça. Et dis donc, mademoiselle, t'as demandé à ton frère, en fait, de prendre le téléphone. Oui, c'est ça? C'est pas moi. Oui, c'est pas toi, oui. Non, mais, Nabil, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Pas d'écran, donc c'est valable pour toi aussi. D'après ce que je vois d'ailleurs, t'as un problème. Hein. Toi aussi, t'as un problème. Bah écoute, la DS est allumée, le téléphone de ta soeur, bien sûr, avec la complicité de ta soeur, parce que je suppose que c'est elle qui t'a demandé, mais bon, t'as pas dit non, parce que toi aussi. Bon, ok. Ouais, c'est sûr que la punition de challenge est levée. Pardon, non, j'allais dire toute autre chose, mademoiselle. Hein. Déjà, tu vas aller au lit, donc bonne nuit. Donc, comme tous les deux, vous avez un problème d'écran, j'ai bien dit tous les deux. Ben vous savez quoi? Demain, je vous emmène voir un spécialiste. Bonne nuit. Et donne-moi ça. Allez. Bonne nuit. Demain, spécialiste.